Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un superbe tuto d'une magnifique petite piscine moderne qui est vraiment très facile à intégrer dans un environnement végétal, donc dans un jardin. Donc vraiment dans l'environnement que vous souhaitez, en tout cas regardez, elle est vraiment très très sympa cette piscine, hein. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on a un petit coin ici de végétation moderne, on a la piscine en elle-même, voilà, qui est très cool, on a des petits transats. Voilà, tout est bien dans cette piscine, en tout cas moi je trouve qu'elle a vraiment, elle a vraiment un très beau style. En tout cas vraiment dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les amis, on va directement passer au tuto sans plus attendre, n'hésitez pas à liker, petit défi comme d'habitude, 300 likes en espérant que vous allez pouvoir réussir le défi. Et on va se retrouver tout de suite, et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. On se retrouve tout de suite pour réaliser ce petit tuto. Alors voilà les amis, pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que j'ai ici ci-dessous. Donc nous allons pouvoir prendre le bloc de béton blanc, le grès, la dalle de prismarine, la grande fougère, le tapis blanc, le bloc de verre, le seau d'eau, les dalles de quartz et le béton scié. Si d'autres blocs se rajoutent par la suite au tuto, ne vous inquiétez pas, je vous dirai les différents blocs à prendre. On va commencer directement du coup avec le béton blanc afin de réaliser le mur qui se situe ici sur notre gauche, hein, donc c'est le mur en béton blanc qui est juste là. Et pour cela on va prendre le béton blanc et on va pouvoir placer au sol 13 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait, une fois qu'on a fait ça on peut encore augmenter 2 blocs comme ça sur notre mur et on fait ça jusqu'au bout. Parfait, quand cela est fait, on continue avec notre béton blanc. Ici, on va pouvoir faire 1, 2, et là, on va encore rajouter 10 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient comme ça. Donc normalement, si vous avez bien exécuté ça, on obtient juste 2 blocs d'espace à ce niveau-là. On fait cela sur 2 blocs en hauteur, comme ça. Ensuite, on va prendre le béton blanc toujours et tous les 1 bloc, on va placer un bloc de béton blanc, comme ça. Ensuite, on va prendre le bloc d'herbe que l'on va pouvoir ajouter dans le fond de chaque trou. Et au-dessus de cela, on met des grandes fougères partout dans les trous, comme ça. Parfait, donc notre petit espace de végétation moderne sur notre gauche est réalisé. Maintenant, on va reprendre le grès. On va venir dans le fond comme ça, on va commencer ici, au niveau de ce bloc là, et on va pouvoir ajouter 14 blocs vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On fait ça sur 3 blocs en hauteur, et on termine avec, hop, la dalle ici. Alors si je la retrouve, je pense que c'est celle-ci, voilà la dalle de grès, et du coup on la place comme ça au-dessus pour avoir ici un petit espace afin d'avoir un niveau de relief supérieur, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre le bloc de verre, on va venir ici au troisième bloc, 1, 2, 3, donc on vient à partir de ce bloc là et on va pouvoir ajouter 7 blocs de verre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait pareil vers la droite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, donc on a fait 7 comme ça. Et puis encore on a rajouté 7 comme ça. De toute manière, vous devez ici avoir un espace de 3 blocs entre le dernier verre et le mur. Quand c'est fait, on prend le tapis blanc et on en ajoute comme ça sur les blocs. Parfait. Donc vous voyez que la piscine vraiment commence à se réaliser. On peut du coup ensuite prendre, hop, les dalles de prismarine. On va déjà venir ici, on va ici en faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite on en ajoute ici. Parfait. Et ensuite on va tout simplement partir de là. Hop, on vient jusque... Hop, alors attendez. Comme ça. Parfait. On fait pareil ici. Et on fait pareil ici contre le mur. Donc là, ça nous donne ça, hein, bien évidemment.
Ici, on peut en mettre sur le dessous à ce niveau-là. Et on peut venir également en placer, tac, juste ici. Voilà. Vous voyez que ici on a un petit trou. Là, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement enlever les verres pour combler le trou et on va tout simplement les remettre. Voilà, c'est quand même plus beau. Quand c'est fait, vous enlevez toute l'herbe qui est ici. Ok, voilà, parfait. Vous voyez que j'ai enlevé toute l'herbe et j'ai même enlevé l'herbe à chaque fois en dessous des blocs. Tout simplement parce que là, déjà, on va pouvoir mettre du béton blanc. Ici, on va mettre de la prismarine comme cela. Là aussi, voilà. Et ici, on va pouvoir mettre du béton cyan. Donc on en met là, tac, et on en met du coup en dessous du verre. Parfait. Au niveau du sol, ici vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement je vais mettre des dalles de quartz, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez au niveau de la couleur hein, et au niveau du sol. Ensuite moi je vais en fait je vais même pas mettre des dalles de quartz, en fait je vais mettre des blocs de quartz, du coup je vais juste rajouter encore une couche. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Moi j'aime bien mettre que un bloc hein, au niveau de mes piscines de hauteur, vous voyez il n'y a que un bloc. Donc voilà, hop, là ensuite on va prendre un seau d'eau et on va tout simplement en mettre comme ça partout, voilà, et ça nous donne du coup notre piscine comme cela. Ce n'est pas encore terminé, on va maintenant reprendre le grès et ici on va à chaque fois creuser jusque là afin de faire un petit passage en grès comme cela. Parfait. Là, nous avons bientôt terminé. On va venir ici, on va prendre des escaliers en quartz. Tac, on va pouvoir en placer un juste là. Puis on laisse deux blocs d'espace, on en rajoute un ici. On laisse deux blocs d'espace et on en rajoute un juste ici. Et on met ensuite des dalles comme ça de quartz afin d'avoir des petits transats assez sympas. Vous pouvez toujours maintenant, si vous le désirez, hop, prendre des... feuilles de chêne noir par exemple ou d'autres feuilles et vous pouvez ici en rajouter, voilà, comme ça pour toujours rajouter un peu plus de détails à votre construction. Regardez, on peut même faire ça sur deux niveaux hein, comme ça. Ça c'est vraiment si vous le désirez, ce n'est pas obligatoire. En tout cas voilà ce que nous donne, par contre là je vois qu'il y a un truc bizarre. Ok, non, c'est peut-être un bug au niveau de l'eau. Regardez ici, je sais pas ce que c'est bizarre. Enfin bref, ce n'est pas grave, mais en tout cas voilà, notre piscine est faite, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Après, vous pouvez toujours ajouter du détail, par exemple, au niveau ici. Regardez, on peut même mettre des escaliers en grès comme ça, hein, afin de rajouter encore du détail. Ça, c'est pas obligatoire, mais bon, j'aime bien toujours vous montrer que l'on peut rajouter toujours du détail dans les constructions. Voilà, ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez au niveau... de toute façon de la piscine, voilà, moi j'ai terminé pour le tuto. J'espère les amis que ce tuto vous a plu. Juste rajouter ici encore un peu de détails en faisant cela. Moi j'aime bien toujours rajouter un peu de détails. Voilà. Tac. Parfait. En tout cas les amis, le tuto est terminé. C'était Cardax. J'espère vraiment que vous avez passé un bon petit moment. C'était un tuto assez facile à faire, hein. Il était très rapide. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos, de prochaines vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo en me disant des idées de tutos que je pourrais faire. N'hésitez pas à liker la vidéo afin de réussir le petit défi des 300 likes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. C'était Cardax, on se retrouve assez vite. Bye bye.